coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire une nouvelle vidéo sur mes produits capillaires, mes best, les meilleurs produits capillaires que j'ai actuellement, que ce soit crème capillaire, masque protéiné et masque hydratante. Donc première crème capillaire que je kiffe, mais que je kiffe vraiment, vraiment, mais vraiment, mais vraiment, 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 c'est le TGIL. Cette crème là, c'est là pour moi en fait. C'est ma deuxième boîte en fait qui est finie comme ça. Il n'y a plus rien dedans. Donc voilà. En plus, ça sent super bon. Tu utilises pour tes cheveux naturels. Tes cheveux sont hydratés toute la semaine en fait. Toute la semaine. Mais quand tu le mets sur tes cheveux, tu scelles l'hydratation. Il faut toujours sceller les filles. Toujours sceller l'hydratation. Tu hydrates tes cheveux, tu le scelles. Tu hydrates tes cheveux, tu le scelles. Parce que si tu mets que la crème sur tes cheveux et que tu ne scelles pas, c'est normal qu'avant la fin de la semaine, tes cheveux sont secs parce que tu n'as pas scellé l'hydratation. Jessie Curl Touchy Conditioner Extra Moisturizing. Voilà. La crème, elle est comme ça. En fait, cette crème, c'est un leave-in conditioner. C'est-à-dire que, en fait, tu peux l'utiliser en tant que conditionneur masque sur tes cheveux et aussi en tant que crème capillaire. C'est en deux en un. Tu peux utiliser pour tes cheveux, pour faire un masque sur tes cheveux, tu chauffes tes cheveux, après tu rinces. Et l'autre partie, l'autre step, c'est de mettre tout simplement sur tes cheveux et sceller l'hydratation. Vraiment, ça, tu sens vraiment que tes cheveux sont hydratés en fait. Et c'est pour ça que je vous recommande ce produit-là. Rich Beauty. Alors, c'est une crème hydratante, Hydrating and Twisting Butter. C'est une crème qui est là pour hydrater aussi vos cheveux. Ensuite, ça embellit vos twists. En fait, vous pouvez faire des twists avec. Et c'est de la bombe. Je pense que vous avez déjà vu, parce que j'ai déjà fait une revue là-dessus, la manière dont mes cheveux étaient fluffy. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce produit là. Donc voilà, j'aime bien. Et toute la semaine mes cheveux étaient hydratés, hein. Toute la semaine, hein. Mais vraiment toute la semaine. Donc je vous le recommande. Mais en fait, le problème, c'est que je l'ai payé aux États-Unis, c'est pas du tout en France. Par rapport à ces produits, en fait, c'est pas que pour les cheveux afro. Si t'es caucasienne, européenne, maghrébine, tu peux utiliser ces produits si tu as les cheveux secs. C'est pas que pour nous les afro, en fait. Tous les produits que j'utilise là, tu peux vraiment les utiliser sur tes cheveux si tu as les cheveux secs. Donc, si tu viens sur ma chaîne et que tu te dis, ah, c'est que pour les cheveux black, tu te trompes complètement, parce que tous ces produits-là, tu peux aussi l'utiliser si tu as les cheveux secs. Baby, know your worth. I love everything about you from your nappy curls. La moisture, le Maluka Honey and Mafuya Oil Intensive Hydrating Hair Mask. Ce masque là, c'est de la bombe. Tout le temps je l'ai tout le temps sur moi. En fait, je suis dans les magasins arabes, tu les trouves partout en fait. Donc je vous le recommande vraiment. Si vous l'avez pas, je vous le recommande vraiment. Ensuite on passe à Mish Beauty. Ce masque là, c'est de la bombe atomique. Super frappe atomique. Parce que franchement, dès que tu l'utilises, tes cheveux sont on flic, on flic, on flic, on flic. Tes boucles sont définies directement. Mais quand je te dis directement,
directement. Et dès que tu finis de... Dès que tu rinces tes cheveux, tu sens cette hydratation en fait. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas ce produit-là en France. Il faut commander le produit tout simplement en fait. Si tu as de l'argent et que tu as envie d'essayer ce produit, je te le recommande vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc voilà. Un masque protéiné, ça va venir renforcer vos cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ça va renforcer tes cheveux. Ça va éviter que tes cheveux se cassent. Donc voilà. Je vais vous présenter la marque Shea Moisture. La gamme Jamaican Black Castor Oil. Voilà. C'est un masque protéiné qui hydrate un petit peu aussi les cheveux. Mais c'est un masque protéiné. C'est trop bien. Le Curl Junkie Repair Me. C'est un produit qui est cher mais qui dure. Mais qui dure vraiment, vraiment. Ça va faire 9 mois que j'ai ce produit-là. En fait, ça va faire 9 mois, limite 10 mois que j'ai ce produit-là. Je l'ai acheté à 33 balles. 33 balles, un produit qui dure 9 mois, c'est que forcément, ça vaut le coup. En fait, ça...